Alors, j'ai pas un mot de ma mère, mais j'ai un mot de l'hôpital. Mon fils est né aujourd'hui, Virgile. Je suis l'heureux papa d'un petit Virgile. Donc, je viens juste de rentrer. Et quoi de mieux que pour se changer les idées de tout ce bouleversement dans ma vie, que de terminer Visage, même si là on va rentrer dans d'autres sphères. Ah, passer la journée à l'hôpital, là je vous avouerai que je suis fatigué, mais je suis content de d'être en ligne aussi pour terminer ce jeu. Alors, on va repasser à ce qui nous intéresse. Allez hop, continuez, en espérant que cette fois-ci le chargement ne soit pas infini comme on a eu le malheur de découvrir dernièrement. On s'est rendu compte que les chargements sur le dernier niveau là de Kahan étaient foutrement longs, mon Dieu. Hein, heureusement qu'il y avait du monde sur le chat. Sinon on aurait passé du temps comme ça à peiner, à essayer de meubler. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Là, vous voyez pas, il y a le chargement derrière moi. Mais bon, on va voir. J'ai vu que on est sur la dernière phase, hein, là. J'ai vu que sur la dernière phase, le chargement n'était que sur la maison, donc ça allait plus vite. Mais là, en le disant, je me souviens que finalement, on est de retour on est de retour à l'hôpital. Et à l'hôpital, voilà, le chargement risque d'être un tout petit peu plus long. Bah, à la limite, on va repasser en comment on dit en facecam? Non, bah, enfin, en fait, de toute façon, en facecam, c'est d'être en cam, je crois. Donc, on va passer comme ça. On va être mieux. Oui, une très grosse journée pour moi. Ma femme a eu son enfant. J'ai cru comprendre que c'était aussi le mien. Hein. Quand j'ai vu le nom de famille accolé à son prénom, j'ai compris qu'on allait me mettre ça sur le dos. Faites attention, hein. Un enfant était vite arrivé. Alors. Je reprends mes esprits là, je sors tout juste du taxi. Rendez-vous compte. Et je me suis dit, alors Romain, t'es fatigué, qu'est-ce qui se passe? On va terminer ce jeu ou pas? Putain, ça charge toujours, hein. Alors c'est l'occasion de mettre mon petit bouton. Je me suis embêté à le faire. Alors peut-être qu'il y a quelques encore de modifications, je ne sais pas. Peut-être le bosseron, on pourrait le mettre en gris. Bon, c'est bien comme ça. Vous avez vu, hein. La technologie quand même. Et à l'hôpital, j'ai passé du temps à essayer de voir comment je pouvais améliorer le bitrate, mais a priori, c'est pas trop mal. Là, je suis en 720, 60 images secondes. Je préfère privilégier une bonne fluidité, on va dire. Et puis, je suis en train de regarder pour changer mon offre. Hein. J'ai la fibre, j'habite à Paris. Elle est pas mal et je peux quand même augmenter jusqu'à 2 gigas. Pourquoi pas faire ça, hein, pour pouvoir streamer en 1080. Je me tente, je me tâte. J'espère aussi, en parlant de caractéristiques techniques, là, de spec, comme on dit, que. Putain, le temps de chargement est long là, hein, la vache. Mais ça me permet de parler un peu. En parlant de spec, j'ai vu aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais pas parler du bitrate. Oui, j'ai changé aussi la synchro labiale. Alors j'espère que. On va pas avoir une mauvaise surprise, que ma voix va être décalée par rapport à la vidéo. J'ai un peu baissé ça, je trouvais que la voix était un peu en retard de quelques millisecondes, mais en même temps j'ai changé 2-3 trucs, donc j'espère que le bitrate va être bon. Et d'ailleurs je vais poser tout de suite la question à notre premier invité. Bonsoir monsieur, déjà en live toi, oh là là, nique ta race. Nique ta race! Alors c'est notre ami Nique ta race. Bah oui, je suis en live, je viens de rentrer. J'ai besoin de me changer un peu les idées. Je suis en retard, c'est ce que j'expliquais. Je suis un petit peu en retard. D'ailleurs, tu vas pouvoir me dire, est-ce que la voix est en retard ou en avance là sur le. Alors, ton pseudo sur mon téléphone est rouge. Hier, il était orange sur mon écran. Maintenant, il est rose. Alors, je sais pas ce qui s'est passé durant la nuit. T'as changé de bord, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Du tout en retard, même 1 heure en avance pour moi. Ah, le son est en et le son est en avance par rapport à la vidéo? Ah non, tu parles de moi, que je suis en retard, que je suis en avance. Le son est parfait. Bon, bah, parfait, parfait. Ah, je suis même en avance. Mais je crois que je t'avais dit. Ah, mais il n'est que 20 h! Oh, mais je. Vous voyez, cet enfant m'a chamboulé. J'ai cru qu'il était 22 h. J'ai cru qu'il était 22 h. Donc, on stream tôt. Ah, je suis complètement chamboulé.
J'ai cru qu'il était 22h et que... Non, j'ai cru qu'il était 23h. Et non, il est 21h mon con et je me fais insulter alors que je suis papa. Voilà, les gens, le respect, tout ça. Croyez-vous que c'est normal ça déjà? Déjà, bon, la propreté du lit, ça laisse à désirer. Moi, je reviens de l'hôpital, je peux vous assurer que c'était pas comme ça. Hein. Alors, dans la couche de mon fils, un petit peu. Mais sinon, là, le tableau. Personne ne met un tableau de chien comme ça sur le mur. Pas raisonnable. Père du démon, oui, félicitations encore. Merci à toi, merci à toi. Ouais, je t'ai envoyé la petite photo. Ses yeux noirs. Mais finalement, on a regardé un petit peu la photo. Bon, on va pas parler de mon fils pendant toute la VOD, hein, je rassure les auditeurs. Mais finalement, il a les yeux bien plus clairs et il a les yeux un peu verts, hein, les yeux de sa mère. Allez, alors du coup, on se replonge un peu dans le jeu quand même. Du coup, on s'est re-réveillé dans l'hôpital et on ne sait que faire. Il a des pieds énormes, hein. Je sais que ça va se passer à droite, mais je regarde un peu. Bon, allez, hop. On va pas perdre de temps. Normalement, on devrait finir le jeu ce soir, hein. Twitch en session avec ma femme. On va t'accompagner dans ce dédale. Oh, ben c'est parfait, mais j'embrasse ta femme. Évidemment, j'embrasse ta femme. Je l'ai vue en photo. J'ai vu toute ta famille en photo. Je sais tout, j'ai tout. Je n'ai que... Il me manque un indice. Il me manque quand même une information essentielle. Je ne connais pas le prénom de ta femme. Ou son pseudo. Parce qu'à la limite, je connais même pas ton prénom non plus. Moi, à la limite, moi, j'ai été franc avec vous. Je me suis dévoilé, moi. Moi, j'ai dit que je m'appelais Romain. Il y a aussi mes deux gamines. Oh, et en plus, il y a les enfants. Alors, il va falloir que je mesure mon langage. Bon, bah, les enfants, c'est peut-être pas pour vous, ce qui va se passer là, par contre. Ah, il nous dit d'aller à droite. Je vais essayer de mesurer mon langage. Non, pas qu'on soit vulgaire, d'habitude. Mais on va faire attention. Je sais ce que c'est d'être parent maintenant. Hein. Je le suis depuis quelques heures. Alors, il nous dit d'aller à droite. J'espère qu'elles sont en âge de regarder visage. En même temps, tu te dis mes deux gamines. Mais si ça se trouve, ce sont des adolescents. Moi, c'est Romain, deuxième prénom Julien. Bah, c'est bah, tu rigoles, c'est moi ça. Je m'appelle Romain et mon deuxième prénom c'est Julien. Anciennement dans Mirvide, ça me rappelle quelque chose, oui. Ève, ma femme. Ah, bah, c'est rigolo, Ève, c'est le nom de ma meilleure amie. Ève, ma femme et mes deux gamines qui sont du genre canidés. Ah, bah oui, bah oui, voilà, pardon, ok. Bah, c'est rigolo, je m'appelle Romain Julien aussi. Mais je crois qu'on a dû se le dire. De toute façon, je savais qu'on s'est connus, mais bon, c'est une période un peu trouble de ma vie, je me souviens pas de tout. Faudra m'excuser, hein. J'étais là, mais j'étais pas vraiment là, hein, à cette époque-là. Ça va beaucoup mieux maintenant. Psychiatric Ward, bah justement. C'est là où j'ai été. Bref. Psychiatric Ward. Ok. Non, mais c'est rigolo qu'on ait exactement les mêmes prénoms. Mais encore. Ah, t'avais 16 ans, alors vraiment. T'aurais pu porter plainte, hein, j'aurais été en prison. Bon, ça va. Alors, pas d'informations personnelles, hein, ok? On s'arrêtera là. Oula, oula! He's totally lost it! We should inject him with a tranquilizer! We're not supposed to be here! You're all part Someone of bind him up! Get his doctor right away! Let me out of here! Alors j'ai trouvé une astuce pour vous épargner ma cigarette. C'est ça. Je coupe le micro. J'ai réfléchi toute la nuit. Le retour de l'homme à la béquille. Il s'est passé quelque chose. Bon, l'ascenseur, je pense pas qu'ils vont nous dire de. Non, il n'y a pas de courant. Bon, il n'y a pas de courant, mais en même temps, je suis pas un expert en électricité.
Hein? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du courant. Hein. Bref. On ne va pas jeter la pierre. Je me hâte pas trop parce que j'ai envie de profiter du dernier segment. Parce que là, c'est le dernier segment. Allez, on va aller vers l'exit. Hein? On le sait que c'est là que ça se passe. En tout cas, je vous embrasse bien fort et ça me fait plaisir que vous soyez présents. Alors on va bientôt télécharger Silent Hill. Alors le Director's Cut, bien sûr. Moi j'ai toujours fait les versions sur PlayStation 2, hein, je les ai là en boîte. Ça sera l'occasion de les remontrer d'ailleurs. Bon là il faudra ouvrir avec une clé. Hein. Mais on va télécharger le pack Enhanced Edition qui a été fait par des fans. Mais là c'est même pas des fans, c'est quasiment des développeurs. Et on va pouvoir y jouer en HD avec tous les bugs fixés, des améliorations graphiques, par-ci par-là, les sons, enfin vraiment un travail titanesque hein, qui est mis à jour tous les 3 mois depuis, ça fait peut-être un an ou deux que j'entends parler de ce truc-là. Hein. Donc on va voir la dernière version, ça va être fantastique. Une demi-heure de nous rejoindre plus tard, donc d'ici une heure. Ok, bon bah je pense qu'on aura terminé. Donc on se souvient, il y a une porte là hein, qui une clé nécessaire. Je regarde vite fait, bon mon inventaire est vide bien sûr. J'active un peu le pas. On va peut-être devoir passer par là. Pas moyen de l'ouvrir. Tout à l'heure j'étais un peu vite quand j'ai vu exit. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Chacun gère son hôpital comme il l'entend. Hein. Moi aujourd'hui, là, j'ai rencontré le docteur. Bon, je lui ai pas dit comment il fallait faire. Ah, ça aurait été malvenu. Bah, j'aimerais bien essayer Silent Hill Pity. Le problème, c'est que la démo n'est plus disponible, je crois. As-tu un moyen de me... Comment pourrais-je y jouer? Parce que je pense que Visage s'est inspiré oui, de cette excellente démo. Moi à l'époque je ne l'ai pas téléchargé comme un idiot. Et puis bah écoutez là on est bloqué là. Qu'est-ce qu'il y a? Faut revenir un petit peu sur ses pas. Là il y a des pommes. Manger des pommes hein, n'oubliez pas. Hein. Alors peut-être là où il y a la tâche. Ah bah là il faut une clé nécessaire aussi ici. Il y a forcément moyen de le retrouver. On trouve encore des os de dinosaures. Oui, mais c'était une démo spécifique PlayStation. Et tu sais ce qui me fait dire qu'on peut pas le retrouver? C'est que les PlayStation qui se vendent avec la démo installée dessus, les mecs rajoutent 100€. Si ce n'est plus. J'ai vu ça. Bon, on a deux portes. On se souviendra. À partir de la room 5, il y aura deux portes. Ah, là, il y avait pas tout à l'heure. Ok. Putain, c'est un petit... On va encore s'amuser. Hein. Pas moyen de l'ouvrir. Bah, j'avais essayé, si tu veux, de regarder s'il y avait moyen de moyenner... pas d'acheter une PlayStation exprès pour avoir la démo, vu que j'ai eu deux PlayStation 4. J'ai eu la normale et la pro. Bah, là, j'ai la pro. Mais du coup, je vais regarder tes Pity. Si tu le veux, bah, tu dois acheter la console. Bah, c'est 100-150€ de plus hein, parce qu'il est dessus. Ils disent que la 5 clignote. Hein. Allez hop, on l'a ouverte là. Et voilà. Et putain, il fallait mettre bien le curseur dessus. Hein. Vous avez pas fait gaffe parce que vous le voyez pas le curseur. Mais je vais te dire, c'est encore au pixel. Bon, on retourne à la 5. On va activer un petit peu le pas. Merde, je me suis trompé déjà. Le jeu est bien fluide là. Aujourd'hui, quand j'étais à l'hôpital, j'ai regardé pas mal de vidéos pour essayer d'améliorer le stream. Et en fait, par rapport à ma connexion, bah, c'est parfait. Hein. C'est pas mal. Enfin, c'est parfait. C'est jamais parfait. Mais c'est pas mal là. Je suis en 720. La fluidité, c'est ça le nerf de la guerre. Hein. Donc, on avait dit la 5. Hein. Alors, attendez. Parce que, en revoyant la VOD hier, je me suis rendu compte que. Vous aviez raison bon nombre de fois et je ne fais pas assez attention au panneau quoi. Ça c'est mon... Allez hop, elle est ouverte. Ah bah. On nous a laissé un petit mot. Plus qu'un petit mot. On nous a laissé des clés. Le son
est au top du stream. Ah, c'est parfait. Donc là, le décalage de la synchro labiale, là, pour toi, c'est parfait. Parce que tu sais que j'ai dû faire 20 tests. Hein. C'est terrible. O Observatory. Bon, c'était pas loin, je crois. Hein. Là, on avait tourné. Je crois que c'était par là. Il y avait deux portes qui se succédaient ou qu'on pouvait ouvrir. De toute façon, tout est indiqué, alors faut que j'arrête d'être con. Ah, la control room. La control room. Bon, faut qu'on retourne là où on. Je me suis planté, hein. Ah, on peut passer là? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, je reviens sur mes pas là. Tu penses qu'il faut que j'ai pas fait très attention. Tu penses qu'il faut que je. Oui, faut que je retourne à l'observatory. Parce qu'il y avait une autre porte, hein. Attends. Il y avait une autre porte que je pouvais ouvrir. Tout à l'heure, il y en avait deux, hein, qui étaient fermées. Je fais vite. Elle était près de la room 5. Elle était pas là d'ailleurs? Il y en avait une autre. Voilà, après le. Je trouve ça curieux. Attends, attends, attends. C'était là, c'est imminent, c'est imminent. On touche au but. Il y avait une autre porte. Tout me dit que tu dois aller à l'observatoire. Oui, d'accord. Mais ouais, vous voyez, par exemple ici, mais c'est pas l'observatory, ça, c'est la room quoi. Allez, on regarde le panneau cette fois, on se fait pas baiser. Room 12. Ah, mais y a rien de marqué. Ben, on va dire que c'est la room 11. Hein? On va essayer de pas être trop con. Il y aura une chambre à ouvrir ici, d'accord? On se souvient, au bout. On va dire que c'est près de la room 12. En face de la room 12. Allez, hop, on se casse. On va aller à l'observatory. Alors, pas de temps là. On est quasiment, là je vous le dis souvent, mais on est quasi en speedrun là. Là, c'est pas moi qui suis idiot, mais les couloirs se ressemblent drôlement. Hein. Voilà, c'est bon. Allez. Ça doit être ici. Voilà. Allez. On repasse. J'essaye un F5, mais vous savez que ça sert à rien. De toute façon, c'est désactivé. Ça doit rigoler dans la room 11. Oui. Il se passe des choses. Il y a festival. Il y a soirée raclette, là. Alors. Parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Observatory. Bon, l'observatoire. Dis donc, là, oui, c'est passé des choses quand même. Encore une fois, on n'est pas là pour juger. On juge pas. Quoi. On juge pas les patients, on juge pas. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Observatory, observatory. 304, 305. Je vais lever la tête là. Hein. C'est un peu comme au foot. Vous savez, il y a toujours l'entraîneur qui dit lève la tête, lève la tête. Non, bah non, c'est pas là. Hein. Là, on revient d'où nous sommes partis. J'allais relire ton commentaire. Ah, on sent que t'es pas seul là. Hein. Ça écrit moins là. Hein. Là, ça parle avec sa femme. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. On va pas rentrer. Là, on sent que monsieur est occupé. Bon, on passerait bien par là, du coup. Bah, on a un peu plus. Non, non, je commence pas Silent Hill ce soir. Je termine ça. On va faire juste un petit live tranquille. Il faut que je le télécharge. En plus, c'est tout un. C'est pas tout un bordel, mais il y a toute une page d'explication pour bien installer le Enhanced Edition. Il faut faire bien dans l'ordre. Il y a des exécutables à faire et d'autres non. Il y a 3-4 trucs à faire pour changer les vidéos, changer les sons. Bref, il faut farfouiller un petit peu. Donc il faut que je fasse ça. Je suis en train d'essayer de m'organiser avec ton arrivée une heure avant.
Excuse-moi. Du coup, là, je suis revenu. En plus, vous avez vu comme quoi je ne regarde pas les choses? C'est qu'une fois arrivé ici, bah, il y avait le Cell Control Panel, on le voyait. Ou alors on arrivait par autre part. Mais en regardant la VOD d'hier,